Valérie Fréville, société Atlantique Sol Confort, société nazairienne, mais aussi installée à Nantes et à Vannes, qui compte une quarantaine de salariés et dont l'activité est celle du carrelage et du revêtement de sol dans le domaine du bâtiment. À l'été 2018, j'ai réalisé que le développement de l'entreprise était limité par des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et que ce problème n'était pas un problème individuel, mais nous concernait tous, pour avoir échangé avec mes confrères de la Fédération du bâtiment. Et donc on a travaillé collectivement en allant solliciter Pôle emploi, notre OPCO, Constructis, l'AFPA. On a organisé des roadshows au cours desquels nous, entrepreneurs, sommes intervenus pour convaincre des demandeurs d'emploi de s'engager dans nos métiers. Et ça nous a permis de recruter 12 candidats carreleurs et 12 candidats solliers moquettistes pour une première phase de formation et de découverte de ces métiers, qui s'est poursuivie par la signature de contrats de professionnalisation. Et on récolte aujourd'hui les premiers fruits de cette démarche, puisque les premiers CDI ont été signés en décembre 2019, soit un peu plus d'un an après avoir initié ce projet. La morale de cette histoire, c'est qu'un problème individuel trouve sa solution par un travail collectif, par une collaboration entre nous, entrepreneurs, et c'est vraiment ce que je retire de cette expérience.